Je déteste tes vidéos, gros fils de... 18. Ah! On va vide, ma mère. T'es un gros ta mère. Ah, on est face à un haters de qualité. Yop les potes, c'est Tonneau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la série préférée de ton youtubeur Fortnite préféré, les pires messages PSN, épisode 10 je crois. Est-ce qu'on peut applaudir quand même? C'est le 10e épisode. Et franchement, on peut le dire, c'est une série qui marche grâce à vous les gars, parce que dans cette série, vous êtes au cœur de cette vidéo, ok? C'est plus d'un an maintenant que la série elle existe, et je voulais vous remercier parce que voilà. Bon, avant que la vidéo commence les gars, comme d'habitude, petit rappel, n'oubliez pas, si vous voulez des jeux moins chers, allez sur Eneba. Et surtout, si vous voulez vous acheter des V-Bug, taux de réduction sur 50 balles, donc c'est énorme. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site Eneba dans le petit code Tonio avec deux O les gars. Maintenant que je vous ai parlé des bons plans du moment, maintenant on va passer donc à la découverte des petits messages, des petites dingueries. Comme d'habitude, vous connaissez les bails, je réexplique rapidement. Vous m'envoyez des dingueries, si ça me plaît, je vous ajoute en ami. Si ça me plaît pas, tant pis, tu retentes au prochain épisode. C'est comme le PSG en Ligue des Champions, ils ratent, mais un jour ils y arriveront. Et je sais que tu arriveras parce que t'es un bon. Tu sais que je t'aime, tu sais que t'es mon frérot. Donc j'ai foi en toi. Allez, c'est parti. Ok, première dinguerie. Continue tes vidéos, t'es cool. Bah merci mon pote. Rapta, Stenda, Salope, Debois, Shotcat, Tello, Tokar, Midi, Départ, Paris, Neymar, Nazaire, Qatar, Voiture, Frera. Bendage, Démarre, Esprit, Lemon, Cheesy, DZ, Flexi, Jay-Z. En fait c'est bien, c'est que maintenant avec tous les droits d'auteur sur YouTube, je pense que je vais prendre sa voix et je vais la coller dans mes vidéos. Comme ça, ça me fera un no copyright. Tu peux me passer un petit bout, oui. Ah ouais, il lâche un gigacro. Hein. Ce genre de chat, c'est le genre de chat qui te pique une frite, ça c'est sûr, au McDo. C'est pas un vrai pote, ça. C'est pas un vrai animal de compagnie. Eh bébé, devine un peu ce que je peux te faire avec deux doigts. Oh, dis-moi bébé, je te quitte, bye. Il est archi lourd ce message. Oh, ça c'est vraiment une technique de bâtard, mais je valide de ouf. Ça te va trop bien la petite queue. D'où tu queues? Ok. Aïe, pétez de rire, guettez les commentaires. Si ta cuisse gauche était le déjeuner et ta cuisse droite était le dîner, eh ben moi, j'y grignoterai entre les repas. Lui, je l'ajoute en ami, c'est sûr, c'est un tueur. Allez, on l'ajoute, parce que c'est un tueur. Le lendemain, Océane, elle va apprendre à faire du vélo toute seule. Ah, elle est excellente cette photo. La pauvre, en plus tu vois toute la détresse dans son regard, regardez ça. Oh my god. C'est something I give it up on you. And nothing you want me to. Oh, oh là là, j'en frissonne. Ah pas mal, franchement il a une voix. C'est mieux que la sonnerie du réveil d'iPhone hein. Without you, I've got no in the home. Mais celle-là, lui, je l'ai déjà ajouté, lui, c'est déjà mon frérot, non? Ah non, c'est pas mon frérot, mais on va l'ajouter parce que jeune talent de The Voice. Mes abonnés ont du talent. Eh oui, tel youtubeur, tel abonné. Je déteste tes vidéos, gros fils de... 18. Ah, ah, lui même pas, un haters. On va vide, ma mère, t'es un gros ta mère. Ah, on est face à un haters de qualité. Eric, ça se voit qu'il a, la haine contre moi. Je pense que j'ai dû lui mettre une nucléaire ou peut-être un top 1 sur Fortnite. Bon, le top 1 sur Fortnite, je suis moyen sûr, mais j'ai dû lui mettre du sale sur Call of. Ou je sais pas ce que je lui ai fait. Peut-être que j'ai couché avec sa sœur, mais on ne le sait pas encore. En tout cas, je suis pas au courant. Donc, si la sœur d'Eric passe par là, n'hésite pas à me le dire. J'ai pris la bouée de papa pour aller à la plage. Ah, ah ouais, sacré bouée. Attends, lui m'a envoyé des dingueries, laze. Technique de drague pour pêcher une meuf. T'arrives vers une meuf, tu lui fais, waouh, franchement, tu me fais grave penser à une chips. T'es trop laze. Elle est bien ou pas, ma blague, non? Là, au moins, t'es original. T'es salé, on peut le dire ou pas? Je pense pas qu'il soit en train de jouer aux cartes. Effectivement, je confirme. Un adolescent a fait une tentative de meurtre. Comment, chef? Il a essayé d'étrangler sa copine. On peut dire qu'il a raté son coup. MDR, Charles, t'es viré. Sans Goku, sans Gohan, sans Goten, sans gluten. Sans muscle, ouais, c'est... Eh, mais lui, je vais l'ajouter en ami. Lui, il envoie des dingueries, il envoie vraiment des petites images qui... Non, qui font rigoler. Papa, j'ai une question, oui. Ça sert à quoi un préservatif? Bah, normalement, à éviter ce genre de questions, MDR. Subtil, mais pas trop. Et c'est ça qu'on apprécie. Jean-Kevin attend la sortie du dernier iPhone. Rachid attend la sortie de Jean-Kevin. Jean-Kevin, on dirait qu'il a la tête à Ben Arfa. Rachid, pardon, qu'est-ce que je dis moi? Avez-vous une idée de la valeur de la Joconde? 25 euros, bienvenue chez Micromania. Ouais, n'allez jamais chez Micromania, les gars. Bon, on va l'ajouter, Laze. Hein, franchement, Laze, t'es validé. T'as m'envoyé une photo de Rainbow Six. D'ailleurs, à tous les joueurs Rainbow Six, j'ai sorti une vidéo Rainbow Six 4 ans après. Allez la voir, le lien est dans la description. Est-ce que ça se voit? Je retourne à la salle depuis peu. Non, ça se voit pas encore. Ne vous inquiétez pas, ça va se voir. Le mec, il vient de me dire, viens et tu seras pas déçu. On dirait qu'il me propose des V-Bugs ou des bonbons. Je suis inquiet. Tonio, là, je viens de. J'ai pas le droit de jouer, si je peux te laisser un petit message. J'espère que ce message t'aura plu, Tonio. Bonne nuit, Tonio.
Moi, ce genre de conneries, ça me fait rire. Le mec, il se connecte sur sa play pour me mettre un message. À 2h11 du matin. Complot avec le démon. Hey, c'est dans son lit que je la démonte. Hey, je suis meilleur que toi, je te démonte. Oh, on dirait du Damso, mais en moins bien. Une souris verte qui courait dans l'air. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ses messieurs. Trempez-la dans lui. C'est pas trempé là dans l'eau. Bon, allez, on va aller ajouter un ami, mon petit Saïf, que t'as un rebeu, t'as l'air cool et tout. Et moi, j'aime bien les rebeux comme toi, tu vois. Donc voilà, je t'ajoute. En plus, mon petit Momo Saïf. Ouh, cette technique-là, c'est Bac plus 5 en séduction. Apprenez-la. Si vous vous faites nexter par une meuf, tu veux sortir avec moi? Non. La meuf, elle le dit non direct. Ça se voit qu'il est dans la friend zone. Ou il est même dans la end zone. T'as vu ce que je viens de dire? Oui, j'ai dit quoi? Tu veux sortir avec moi? Comme dirait Bryce Dena, essaye de la casser. Mes abonnés ont du talent. Les gars, je compte sur vous. Si je passe sur la vidéo, les gars, mettez un like, activez la cloche. Ah, il me fait plaisir. Restez actifs sur la chaîne Antonio. Bye. Vous savez quoi? En outre, il y aura sa voix. Non, franchement, stylé. Je te suis depuis cette vidéo nucléaire ou balista. Mais toi, t'es même plus un ancien. Limite, t'es un membre de ma famille. T'es mon paternel. Ah, il m'a envoyé en plus des photos marrantes. Il me suit depuis longtemps. Ouh, ça sent la demande d'ajout. Pétédré, imagine, t'as 8 heures de route et que tu prends ce bus. Franchement, je préfère y aller à pied ou en courant. Ah ouais, c'est chaud. Ça existe, ça, des bus comme ça? Ah non, c'est grave chaud, là. Il y en a, ils ont du cyanure dans le cerveau. Ouais, je crois aussi, ouais. L'évolution des camions poubelles. Ah, what? C'est l'arnaque la plus mignonne que j'ai vue. Non, mais sans déconner, ça existe, ça? Est-ce que toi aussi tu fais partie de ceux qui disent que l'emballage de la bouteille donne un goût différent à la boisson? Souvent il y en a qui me disent ouais, le coca il a pas le même goût si c'est une canette ou si c'est une bouteille en plastique. Dis-moi, hein, peut-être que tu fais partie de cette équipe là. Avec un petit message audio. Issou. Moi. Franchement aujourd'hui je suis vraiment de bonne humeur, vous me mettez grave de bonne humeur les gars. J'ai tous envie de vous ajouter en ami, c'est un truc de ouf. Je voudrais juste faire une petite dédicace à Max Dufort 62, maximum de pouces bleus dans les commentaires. Ça se voit que c'est un abonné fidèle, tu vois, il force un petit peu, ses messages sont pas hyper drôles, il réutilise des trucs de la vidéo. Mais dédicace à toi mon pote, je vois que t'es un fidèle, je vois que t'es là. On n'en parle pas assez de ces mecs là, tu vois, tapis dans l'ombre comme ça qui soutiennent. Merci les gars, merci la famille. Ouais, Tonio, c'est Mehdi qui débarque dans le game avec mon équipe, je te promets qu'on va tout ken. Ramène-moi qui tu veux. Drake, Max Ara, Nikomok, fais ma bœuf. Moi, j'espère que Lorenzo ramène-moi qui tu veux. Bendo. Vite trop tapé. Bendo. Au début, c'était lourd. Après, ça se voit que tu t'es perdu dans tes syllabes. Attends, j'ai pas fini. J'ai 4 10 ans. T'inquiète, papa, poto, je t'attends. Sur Fortnite, 1v1, je te casse tes dents. Ah, il m'a fait délirer. Non, bah, Mehdi. Ah, est-ce que je t'ajoute? Est-ce que je t'ajoute pas? Je suis à deux doigts d'hésiter. Est-ce qu'on appuie? Merde, j'ai raté, dommage on t'ajoute pas. Allez, on l'ajoute. Parce que Mehdi, il a tenté quelque chose. Il a tenté une approche différente du rap. Peut-être une future resta dans le rap game. Spencer, coucou Tonio Dublet. Ah là là, lui c'est un vrai de vrai. C'est un pur. C'est nude. Ça c'est tactique. Envoyez ça à vos meufs. Ça peut-être marcher. Sur un malentendu, elles voient de l'argent, elles envoient le nude. Regarde en haut à droite. Attendez. Regarde en haut à droite. Ça c'est mon poteau. Ça s'ajoute en ami direct. Ça utilise le code créateur. On ajoute. Non, merci mon pote pour merci pour toutes les frérots qui me soutiennent dans la boutique. Si je vous fais rigoler, c'est la récompense, hein. Moi, je vous fais rigoler. Vous utilisez le code créateur. Ça fait plaisir. Mais putain, les gars, arrêtez de m'envoyer ce... Je le vois partout. Ok, donc un capitaine de bateau qui se fait masser le ventre. Un capitaine de bateau qui montre son paquebot. Un capitaine de paquebot qui se fait humilier par une gentille demoiselle. Et là, c'est moi ou c'est l'armée? Ah, c'est la dame dans le sac plastique. Que j'utilise les mêmes sacs plastiques quand je vais aux ordures. La pauvre dame. Elle s'est moquée, elle n'aurait pas dû. Wow. Ça sent la guitare? La gratte. Tu fermes les yeux, vas-y, fermez les yeux, tous. Ah merde, c'est déjà fini! Lourd, mec. Vraiment, Bon, allez, on l'ajoute, parce que, voilà, c'est la première fois qu'il y a un mec qui me joue un solo de guitare, et... Non, j'ai succombé. Ouais, mais lui, c'est un frérot, il fait même... C'est même plus du croquage, là! Regardez tout ce qu'il m'envoie. Bah non, c'est plus du croquage, là, on dirait un cœur. Ah ouais, ça, c'est du bronzage. Je l'ai à peine touché. On dirait Brandao qui parle. Posez-moi une question. T'aimes toujours ton ex, Dylan? C'est pas anonyme, Dylan. Là, en fait, c'est Dylan qui a envoyé un message à la meuf pour savoir si elle était toujours amoureuse de lui. Qu'elle lui explique que c'est pas anonyme, en fait. Elle sait que c'est lui. Courage, Dylan. Les gars, on a perdu un soldat au combat. Paix à son âme. Moi, je propose 3 secondes de silence pour un frère tombé au combat. Allez, 3 secondes de silence pour ce frère tombé au combat. C'est parti. Ok. Je suis dans la merco avec Tonio, toujours au micro avec Tonio. On est sur Calop que des 30-0. Fais-moi une passe à la ballot, que des frappes dures à la Tonio. Je m'en plus d'héros, demande à mon pélo. Oh là là! On vise les 2 millions et lâche rien, poto, ça fait plaisir. Mais on lâche rien. Vous savez pourquoi on lâche pas? Parce que vous lâchez pas avec moi. On est plusieurs à pas lâcher.
On l'ajoute quand tu vois que Tonio n'a pas lu ton message. J'ai lu ton message, la preuve. Tu vas passer dans la vidéo. Quand t'invites ta copine vegan au resto pour rompre et que tu la mets dans l'ambiance dès le début du repas. C'est excellent ça. Excellent. Je note cette astuce. Police, bonjour. Quel est votre problème? Oui, allô. Deux filles se battent pour moi. Et alors? La moche est en train de gagner. Pas facile tous les jours. Est-ce que je suis le seul à trouver que deux filles qui se battent, c'est toujours plus drôle que deux gars? En tout cas, lui je l'ajoute en ami parce qu'il a vraiment, il a géré. Quand tu baises la fille de ton patron, puis tu te rappelles que t'es auto-entrepreneur. Wouah, elle était puissante aussi celle-là. Ouh. Et j'espère que quand vous regardez mes vidéos, vous êtes tranquillement assis. Allez, on écoute. Oh, regarde, c'est mon prix, gang. Ça y est, ton cœur est conquis. Femme à centrer et kaki, gang. Dis-moi ce qu'est ton prix. Je rends les michtophones au microphone. Je suis méga fort. En punch la métaphore. L'instru est ouf, par contre faut le baisser parce que là je comprends pas tout. Ouais, on entend pas assez ta voix, on comprend pas ce que tu dis. Ouais, c'était pour te dire, je kiffe tes vidéos. Merci mon pote, merci Gabi. Plein de GG, de frappants dans les doigts pour Gabi. Non, c'était pas mal. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous chantez, je suis sûr de pas me prendre de copyright. Non, je rigole. Non, franchement, pas mal. Gabi, tu sais quoi? Pour t'encourager, je t'ajoute en ami. Tu travailles encore, je pense, un petit peu deux, trois trucs, notamment le fait de gérer voix et instru derrière. C'était un peu trop fort, on comprenait rien de ce que tu disais. Mais vu que l'instru était bon, je t'ajoute en ami. Code créateur, Tonio25, un deuxième frérot. Le deuxième frérot est dans la place. Ah là là, follow-moi sur Instagram. Bien sûr, mon gars. En plus, dernière photo, j'espère que vous l'avez liké. Parce que moi, je lis des livres. Et oui, faut être cultivé dans la vie. Yes, ça, c'est mon poteau. Rainbow Six Siege, 4 ans après, ça, c'est mon pote. Allez la voir. Il y en a dans la description, comme j'ai dit. Oh, mais lui, il clique sur toutes mes vidéos. Ça me fait plaisir, mon poteau. Ça me fait plaisir, mon petit Makiteos. Au passage, je le dis pas parce que, bon, voilà, dans la vidéo, c'est pas fun. Mais je remercie tous les messages de soutien à chaque fois que je reçois. Après, par exemple, pour là, de Drash Flash, là. Reste comme tu es, t'es le meilleur frérot. Là, comme il met, là, Saiyan. Carbon Saiyan, tu es un de mes youtubeurs fav, continue comme ça, tu gères, bonne vidéo, voilà, j'en reçois énormément de messages comme ça. Bien entendu, ça passe pas dans la vidéo parce que bah juste des messages pour me dire que je gère et tout, c'est pas fun pour la vidéo, mais voilà, je voulais vous remercier, petit aparté comme ça, pendant les délires, je voulais vraiment vous remercier pour ces petits messages de soutien. Je les lis tous, je les inclus pas tous dans la vidéo, mais voilà, je les lis tous les gars. L'évolution de l'homme à l'âge de bière. C'est excellent ça, lourd. On peut voir que surtout ce qui évolue, c'est le bide. Ah ouais, tout dans le bide la bière. Ah, tu sais où elle va, tu sais que là ton estomac, tu sais où il se trouve. C'est pas gentil ce que tu as dit sur moi dans ta dernière vidéo. Merde, j'ai dit quoi? Non frérot, ne fais pas ça. C'est de l'humour hein les gars, tout ce que je dis. Mais lui il a liké combien de vidéos? Allez, on ajoute. Ah vraiment, je suis généreux. Ah, c'était vraiment le moment pour m'envoyer des messages hein. Prochain épisode, j'essaierai d'être aussi généreux. Vous avez mis que vous parlez anglais sur votre CV? Oui, bien sûr. Ok, so where are you from? Of course, and you. Ça, c'est moi au bac d'anglais. Of course, so oui. Quoi de meuf puceau, rien de spécial, je suis plus puceau au fait. Ah, vraiment? Oui, t'as qu'à demander à ta sœur, j'ai pas de sœur. Tu l'auras dans 9 mois. Aïe. Coup dur pour le frérot. Ouh, coup dur là, celle-là elle est violente. Hier j'ai croisé mon ex que j'avais trompé. Elle est devenue caissière au Carrefour. Au moment de payer, elle me dit: je te demande pas ta carte de fidélité. Bon voilà les gars, la vidéo elle est terminée. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Merci encore pour tous vos messages de soutien, vos messages drôles et tout. Je kiffe ce genre de série parce que vous me faites rigoler. Et j'adore ça. Bref, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, à utiliser le code créateur. J'espère en tout cas que vous êtes en vacances quand vous voyez cette vidéo. Et puis voilà les gars, peace, love, kiss et à la prochaine. Les gars, je compte sur vous. Si je passe sur la vidéo, les gars, mettez un like, activez la cloche, abonnez-vous. Restez actifs sur la chaîne Antonio. Bye.